Cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Les gars, c'est la famille. Comme d'habitude, vous connaissez. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ce jeu, c'est le jeu parmi les jeux. Donc, Raid Shadow Legends, c'est un jeu où on s'affronte avec des petits champions en tour par tour. Des champions, il y en a plus de 500. Des armures, il y en a des millions. Des objets, il y en a des millions. Donc là, je suis dans ma taverne où il y a tous les champions. Mon champion préféré, Galek. Alors lui, c'est vraiment la famille. Il est vraiment hyper costaud. C'est mon champion le plus fort. Du coup, on va aller se friter un petit peu, on va aller faire une bataille et dans la campagne et je vais aller défoncer quelques petits monstres histoire de leur montrer c'est qui le patron. Et le patron, c'est Kokaruga. On peut aller aussi booster quelques champions. On va dans le coin des éclats, on ouvre un éclat et on peut avoir des petits champions gratuits. Et ça, c'est la famille quand c'est gratuit. Moi, j'aime beaucoup. Et ce mois-ci, Raid, ils ont simplement publié une mise à jour de ouf. Ils ont publié la Tour des Malheurs. Donc c'est 120 étages, t'as plusieurs salles secrètes, des challenges, 12 boss différents qui sont relativement terrifiants, on va pas se mentir. Raid vous offre des bonus et un champion spécial pour vous aider à commencer dans la tour, Rempart. Il est vraiment parfait pour affronter des boss de clan et à mon avis, dans la tour des boss, il va simplement être un Stremont. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Pour aller le récupérer, c'est simple, je vais vous montrer comment faire. Donc pour aller chercher ces petits bonus, on va tout simplement ici. Télécharge le jeu dès maintenant pour avoir un champion gratuit, avoir un boost de 50 XP, 50 gemmes, des énergies pleines, un éclat antique pour les nouveaux joueurs, enfin bref, vous allez vous mettre max. Faut passer par le lien qu'il y a en description, passez bien par ce lien pour avoir tous les petits cadeaux qui vous sont promis par Raid Shadow Legends avec mon petit lien d'affiliation. Merci à tous d'avoir regardé cette petite sponsor, les gars, je vous laisse la suite de la vidéo, merci à tous, bonne vidéo. Lui, il a failli bouffer la Twingo de toutes ses forces. Hein. Ça veut dire qu'en même temps, il est quand même bien protégé, quoi. Tong, t-shirt, pas de gants, maillot. J'ai envie de le taper. Quoi, Johnny avec son bitwin? Je sais pas ce qui se passe là depuis tout à l'heure, mais ça sent pas bon, voire ça sent l'accident. Oh bah oui, putain, il y a un pneu qui a éclaté là, c'est sûr. Ça daube en plus. Ah oui! Oh, ça pue! Ah, ça a dû lui faire tout drôle, hein. Oh! Le mec, il fait demi-tour sur un terre-plein. Il est défoncé, Kevin. Au début, j'ai cru que le mec il avait freiné ou je sais pas quoi, qu'il avait fait un 3-6 et qu'il s'était planté, mais en fait, non. Au KLM, il fait son demi-tour. Enfin, que la circule et tout, il est bien chaud le type quand même. On est bon? Ouais, il y a des plans d'ensemble, maintenant je fais des plans du coup. T'en ferais qu'un seul, après j'en ferai plus, hein, c'est le dernier. Ça marche. Non mais mec. Mec, le feu il est rouge. Ah bon. C'est pas, limite ça me gêne presque pas tant que ça que les cyclistes passent le rouge si tu vois t'as une visibilité de ouf, tu vois bien qu'il n'y a pas de bagnole, tu vois, c'est bon, tu vois, bon. C'est pas ouf mais tu vois, je suis le genre de mec qui préfère qu'on utilise la bonne intelligence plutôt que de respecter les règles absolument à 100%, tu vois. Donc bon, si le mec il voit qu'il peut passer, même si c'est rouge en vélo, il passe, allez, tu vois. Il fait ce qu'il veut, quoi.
Mais là, t'as zéro visibilité, t'es en plein dans une intersection, t'arrives comme un débile. Et tu seras le premier à chialer quand t'auras tes genoux enfoncés dans le radiateur de la bagnole. Bah ouais, mais bon. Enfin bref. Ah, dès le matin, ça me met en forme. Ouais, je m'étouffe en plus. Putain, j'ai vu que c'est pour moi quoi. Oh, oh, mais j'ai flippé, putain. Oh, j'ai flippé de fou. Ah, parce que déjà, bon, il y a quoi, il y a 4 jours, je prends 90 boules sur le périph'. Ouais, je me dis, ça y est, je suis mort. Oh, putain. Oh, l'arrêt cardiaque du mec, quoi. Oh, Get Karma Ted. Get Karma Ted, puissance 1 million. Putain, mais à la base, moi, j'ai rien fait. Je roule en H2, c'est tout. Quelle vie. Quelle vie, mes amis. Mettez des bouses bleues. Bon, on a tous des vies un peu spéciales, il nous arrive des trucs. Là quand même les gars, je transporte un putain de rouleau d'un mètre de fucking papier bulle de merde. C'est énorme. En fait c'est chiant à transporter parce que c'est super léger, donc je le sens pas vraiment. En même temps c'est quand même suffisamment résistant pour pas que j'arrive à me coucher sur la moto, donc je le tiens entre mes bras, le réservoir et le ventre. Au final, tu vois, ça dépasse de chaque côté là. J'ai un petit peu l'impression d'être un avion. C'est pas mal, c'est un peu comme si j'avais un mix entre un H2R avec des ailerons là et un S1000RR. J'aime bien. Vous êtes chaud là. Ouais, pas pareil. Ils étaient trop chauds là. Ils ont cru que je les chauffais, en fait j'ai cru mon feu pas sévère. Mais ils m'ont fait rire. Ça fait plaisir.